changer, on dirait qu'on va à la Brocante. Team du championnat de France. Vas-y tout, comme à Bellegarde, quand tu descends de Bellegarde pour aller à Frangis, c'est marqué. Ouais. Ça s'appelle Vent. Bon, normalement, on doit prendre la remorque, mais bon, les pneus sont. Le village s'appelle Vas-y. Vas-y tout. C'est pas ça qu'il dit, à chaque fois que je suis passé par là-bas, il dit Vas-y tout. Cherche des sponsors pour avoir un autre camion. Ouais, ça ira bien comme ça. Voilà le pire moment du week-end. À 3 euros le gasoil. La belle table de 2022, la chaise. C'est bien pour aller chercher les objets. Ça m'arrange pas que Jacques vienne jouer que demain matin à la chambre d'air. Chambre d'air. Ouais. Si tu veux, regarde. Ah, ouais, il m'en ramène 4 renforcés, Jacques. Comme ça, au pire, je t'en passerai. Téléphone, il passe pas. Je t'en passerai une. Téléphone, il passe pas. T'es tout en chambre d'air, toi? Étudier les traces. On a une moi. Bijoux le terrain. C'est large, hein? Ouais.
trop changé la piste. Hein. Petit tour de terrain. Petit saut. Bon, compte rendu du contrôle technique. Toujours Dédé de la Fédé qui fait chier, comme il l'appelle. 113. On est passé à 113, ouais, c'est ça. Première fois à 114 et deuxième fois à 113. Beau petit air, hein, ciel bleu. Ça va être chaud. On revient du footing d'une heure et demie là. Les gars, ça s'est cassé la gueule hier soir l'autre. On a vu un truc, je pensais qu'elle allait se foutre dans le gaz. Ah oui, il est pas verrouillable le bordel. Défoncer tellement que dans le droit en bas pouvoir piquer deux fois intérieur. À l'intérieur. Allez, c'est là, même, c'est, on commence à tous aller à l'extérieur. Tout le monde va à l'extérieur et on pique intérieur. Il y a le petit saut vers chez nous. On est là, il y a que genre à l'extérieur. On regarde un petit peu ce que font les copains, notamment la redescente.
de Gunnermann et de Nico Musset. On a bien regardé les trajectoires là, du côté de l'équipage leader du championnat de France. Roule encore plus cool au chrono parce que je m'excite trop sur la poignée de gaz, du coup dans les gauches ça fait je fais tout le temps comme ça pour je passe 600 dans les gauches, tu sais, j'essaye de ramener le site, je vois qu'il tourne pas, donc je remets un coup de guidon, j'accélère, du coup ça fait tout, ouais, comme que ça. Tu regardes bien tous les chronos, c'est pas un zimbel, hein, c'est tout du nappe. On pas du sportif. Efficace, c'est les deuxièmes ou troisièmes. Ah, je pensais que vous avez été. Ça c'est la base, et sans ketchup et sans fromage, mais c'est cool quoi, voilà. Il y a plein d'endroits, putain, on atterrissait sur la roue avant, ça devait les craquer. Pour ça, je te disais allonge, parce que ça te fatigue pas d'allonger, c'est un coup de gaz. Mais par contre, ça te fatigue de ratterrir sur la roue avant et de mettre un coup de gaz. Ouais, on n'a pas un problème à la roue arrière, j'ai l'impression que c'est pour des gens. C'est quoi votre boulot? Bon, c'est quoi votre boulot? Notre boulot, c'est de commander. Ah. Voilà. Ah, mais vous commandez qui, si, en perso? Non, mais toi, tu fais ça. Lui, il va te dire, tu fais ça. Toi, tu dis, tu fais ça. Donc, du coup, il n'y a rien de fait. Voilà. Nous, on commande, mais c'est pas qui commande. Il s'est parti que...
retour. Voilà. Débrief du week-end. Nickel. Débrief du week-end. Ouais, nickel. Week-end pourri, non. Non, deux abandons en deuxième et troisième manche. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est la pompe à essence. La pompe à essence qui merde, du coup, on a calé. Ça faisait caler le sidecar. De la merde. Sinon, les essais, plutôt le matin, plutôt bien passé. Les chronos, on fait la 11e place. Non, pas du tout. On fait la 13e place au chrono. On fait 13e place au chrono, donc plutôt pas mal avec 4 étrangers qui roulent au mondial. Donc qui roulent devant, donc plutôt bien. On est en première ligne. Et puis, première manche, départ super bien parti. On fait presque le hold shot à, on va dire, à mi-ligne droite. Après, je coupe parce que je vois tout le monde arriver sur ma gauche. Et on était 9e toute la manche. Et puis, moi, comme d'hab, pas le physique pour tenir les manches en ce moment. Donc, on finit 11e. Et puis, 2e et 3e manche, des bonnes sorties gris comparé à d'habitude. Et après, le sidecar qui merde. Un petit peu oublié, pas l'habitude d'abandonner, quasiment jamais abandonné dans le sidecar, c'est la première fois, mais bon, ça arrive, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est quoi la Dole Besançon? C'est quoi la Dole ou pas? Alors, regarde ce qui est A30, ouais. Et puis voilà, longue vie et nique mouk. Non, je rigole, ça c'est pas mal.